N'avez pas oublié, on est qui président, que le nommé, que inculpé, que l'élu, normalement, son est qui a un minimum de pouvoir, de capacité pour agir sous institution. Souvent rentrer avec dans la justice, ou d'accord avec, il est dit dans le code d'instruction criminelle que c'est le président qui est là pour procéder au renouvellement de mandat juge instructeur. Et dossier ça, il faut le passer quand même par un juge instructeur. Donc, rendez-moi fou ou sage, il n'y a pas jamais un juge instructeur qui est neutre qui pour mener instruction dossier ça. Et attention, c'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui à la prendre ma parole là, dossier Petro-Caribéa, mais le bureau, un juge instructeur qui fait désigner par le palais national. Ça, c'est son premier obstacle. Deuxième obstacle, ou après elle a été finie, essayer d'enterrer le dossier au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, après résolution qui était prise par le pouvoir législatif et par les nationales, ouais, je ne veux dire qui ça, yon rend. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rend yon réquisitoire pour la blanchimoun. Ça veut dire, il y a continué blanchimoun dans quatre dossiers ça.